Okay, so, well, can you present yourself briefly? Who you are, where you are? Je m'appelle Johanna Bono Shalom et je suis française. Je vis à Barcelone et là actuellement je suis dans un petit bureau chez moi pendant cette période de pandémie. This is where you see clients online also? Oui, c'est là en ce moment où je reçois mes clients en ligne. Mm-hmm. Normalement, j'ai un bureau en dehors de la maison, mm-hmm. mais en Espagne, nous sommes encore dans le confinement, mm-hmm. et donc je continue à recevoir en ligne, mm-hmm. Mm-hmm. ici depuis mon bureau. Mm-hmm. And how long have you been living in Spain? Cela fait 5 ans. Uh-huh, okay. 5 ans. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. 5 ans dans cette nouvelle ville, mm-hmm. pour moi. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, so obviously I'm interested. Why Spain? Can you say why not? Pourquoi l'Espagne? Mm-hmm. Pourquoi l'Espagne? Ah, j'habitais à Paris et. Et cela faisait très longtemps que Paris était trop, trop difficile, trop de bruit, trop de pollution, trop. Mm-hmm. Et mon mari a eu l'opportunité pour son travail de venir s'installer à Barcelone. Mm-hmm. Et donc, je l'ai naturellement suivi. Mm-hmm. Et comme... Alors, j'avais déjà une clientèle à Paris et comme je connaissais déjà la pratique en ligne, ça a été possible pour moi de le suivre tout en gardant les consultations en ligne. Mm-hmm. Mm-hmm. So, and Barcelona, is it now a place with less noise, with more... I don't know, with less. C'est très différent. Il y a quelque chose là où j'habite, enfin, dans cette ville de Barcelone qui m'a beaucoup plu, c'est le contact. Mm-hmm. Les gens sont beaucoup plus tactiles, beaucoup plus spontanés. Et en tant que gestalt, thérapeute, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Voilà. Et c'est ce qui fait aussi la difficulté aujourd'hui, c'est que ce plaisir d'être avec l'autre et de pouvoir le contacter, dans cette période de pandémie, ça devient impossible et je me rends bien compte comment c'est difficile d'ailleurs pour les personnes, pour les Barcelonais, les Espagnols, de résister et de se retenir. J'imagine. Oui. Mais j'habite dans un endroit qui est calme. Mm-hmm. Et là, d'ailleurs, pendant qu'on se parle, je regarde, il y a un arbre là qui est magnifique avec le soleil. Et, mm-hmm. et ça respire beaucoup plus pour moi. Mm-hmm. I wonder if how are you? I mean, like I somehow realize that Spain was a lot impacted during this coronavirus. Right. So how are you, your family here, people? Nous sommes bien, ça va. Okay. Ça va. Mm-hmm. Je trouve que c'était intéressant de... En tout cas, je trouve intéressant de faire l'expérience de devoir, en quelque sorte, obéir à une règle, mm-hmm. qui, pour la première fois, permet à la fois de prendre soin de moi et aussi de prendre soin des autres. Voilà. Et j'ai trouvé que ça, en tout cas, dans mon expérience, ouvert davantage, et avec mes clients aussi, la perspective qu'il y a moi
Et il y a aussi l'autre. Et que si je fais ça raisonnablement, les choses peuvent aller. Et c'est ce que nous avons fait et ça va. Mm-hmm. OK. Mm-hmm. Mm-hmm. J'ai mes enfants. J'ai des enfants qui vivent à Paris. Ah, OK. Qui sont grands. Mm-hmm. Enfin, qui ont 20 ans, des jumeaux. Et donc, aussi, l'écran Zoom, Skype nous permet d'être en lien mm-hmm. Mm-hmm. pendant cette période. Mm. Mm-hmm. Super. Okay, and tell me if you could more about yourself in terms of your you as a human being, in terms of your passions, in terms of your values. Wow. C'est la question de toute une vie. Ok, donc il faut un peu, commencer. Oui. Je crois que elle est très difficile cette question. Il y a eu plusieurs. C'est tout un en tout cas, c'est tout un cheminement, mm-hmm. un processus. Mm-hmm. Je peux dire que je suis une personne très sensible, ce qui me permet de faire le métier que je fais et voilà, je c'est vraiment ça qui est important pour moi, cette grande, grande sensibilité. Je crois que je suis quelqu'un de très curieuse. Mm-hmm. Curieuse des processus et très curieuse de l'autre. J'ai découvert aussi, j'ai découvert que j'avais des polarités au fur et à mesure justement de ce chemin et de ce qui je suis. Voilà, donc je me définis souvent comme une personne à la fois très douce et en même temps qui peut être parfois très intense. Donc j'oscille entre les deux et je crois que mon processus, en tout cas, ça a été de réguler cette partie-là de moi pour venir à quelque chose de plus stable, de plus confortable. Qu'est-ce que je suis? C'est une question que je me pose tout le temps. Et d'ailleurs, c'est parce que je me la pose que je peux évoluer. Et quand je parle d'évolution, je crois que en fait, je suis sans cesse en mouvement, voilà. Mm-hmm. En mouvement, à m'ajuster dans mon travail, dans mes relations. Mm-hmm. Yeah, I can see now your sensibility. Sensibilité, oui.
And I'm grateful you are, you know, somehow answering the questions at this pace, you know, and trying to be as honest with yourself as possible. Thank you. It's and what about values? Une des valeurs pour moi les plus importantes, c'est l'authenticité. Je crois que sans elle, pour moi en tout cas, il n'y a pas grand-chose de possible, il n'y a pas de relation possible, il n'y a pas de rencontre réelle avec l'autre possible, ni même avec moi d'ailleurs. Oui, je crois que la plus grande valeur qui me définit, c'est l'authenticité. Alors, c'est à la fois merveilleux et en même temps, ça inévitablement fait que il y a au fur et à mesure de mon chemin beaucoup de gens qui se sont éloignés parce que c'est très difficile d'être authentique pour certains en tout cas. Voilà, mais je crois que ma plus grande quête, c'est ça, c'est vraiment d'être le plus authentique possible. Ça me touche. Well, even though there is some, you know, some miles between you and me, I can relate to that as myself, but I can relate to you. Maybe it's irrelevant to say this, but it is also for me a relational process, this interviewing. Oui, bien sûr. And that's why I somehow dare to comment it from my own perspective. Et puis, ça me fait penser aussi que même si nous nous parlons au travers d'un écran, il est possible de sentir. D'être dans cette qualité de présence. Yes. Voilà, ça aussi, c'est extrêmement important pour moi. D'être dans cette qualité de présence. Même si ça doit passer par un écran. Okay, and who had the greatest impact on you as a person? Another. Seulement une? Yeah, ça peut. Yeah. Ça peut être plusieurs. La première personne à laquelle je pense, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère a une vie romanesque, comme une épopée. Et moi, je la vois et j'expérimente ma relation avec elle, justement comme une relation très authentique. Elle est à la fois très douce et très ferme. Elle a je me suis beaucoup imprégnée de sa force et en tout cas elle m'a je crois que sa présence m'a façonnée. Et m'a permis dans les moments très difficiles de ma vie de pouvoir revenir à moi et me retrouver. Voilà, j'ai été très impactée par sa clairvoyance. C'est pas toujours facile hein, d'entendre la clairvoyance. Mais ça m'a beaucoup aidée,
beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Elle est toujours vivante? Elle est toujours vivante. Elle a 99 ans et elle vit dans le sud de la France. Et je ris parce qu'elle ne veut pas qu'on vienne la voir pour rester en bonne santé encore, parce qu'elle a comme objectif de fêter ses 100 ans en janvier. Wow. C'est une femme très intelligente et qui s'est tout le temps ajustée, qui n'a pas toujours écouté justement tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai pris aussi ça d'elle, de pouvoir aussi être à contre-courant pour survivre. Et ça a été vraiment, en tout cas, son histoire a été vraiment pour moi la première histoire que j'ai entendue sur la différenciation, comment se différencier et ne pas rester là où ça pourrait être dangereux. Alors, voilà pour ma grand-mère. Mon mari, enfin mon mari, nous ne sommes pas mariés, mais voilà, je considère cet homme comme, comme un mari. Sa patience avec moi, son écoute, m'a vraiment permis de faire l'expérience de la relation, du lien dans la profondeur, dans la différence. Et comme j'ai parfois beaucoup d'intensité, je suis très passionnée et lui est extrêmement calme. Nous avons des intensités différentes. Mais en tout cas, il m'a vraiment... Il me permet vraiment d'être moi-même, qui je suis, et d'être libre aussi, tout en étant dans la relation. Et qui m'a... Ma thérapeute, j'ai vécu une histoire, j'ai eu une expérience très borderline. Et avant de rencontrer ma psy, j'ai eu plusieurs thérapies qui n'ont pas duré, mais je trouvais que c'était froid, je sentais pas l'autre, et c'est la première personne chez qui je suis rentrée. Je me souviens encore des couleurs de son cabinet, de l'odeur. C'est la première personne où je me suis dit, ah, je vais peut-être pouvoir rester ici. Et elle aussi a été, en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est dans les personnes dont je parle, ils ont toute cette qualité de la patience, de la profondeur, de la curiosité. Et moi, je sens que j'ai besoin de rencontrer ça chez l'autre. Donc, ces personnes-là ont été importantes pour moi parce que pour la première fois, à chaque fois, je découvrais ces qualités-là, ces valeurs-là, qui m'ont beaucoup impactée. And you continue to look for it in other people, as I mean. Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment joli parce que c'est vraiment une... je viens d'une famille où il n'y a pas beaucoup... On ne prend pas beaucoup le temps de parler de ses émotions, de prendre du temps, d'aller dans la profondeur des sensations, dans la curiosité de qui est l'autre. Et j'en ai beaucoup souffert de ça. Et quand j'ai enfin senti ça, alors avec ma grand-mère, ça a mis un certain temps, mais une fois que je l'ai attrapé, je ne l'ai pas lâché. Mm-hmm. Quand j'ai senti ça avec ma thérapeute et ensuite avec l'homme avec qui je partage ma vie, ça a vraiment ouvert ce que j'avais à l'intérieur de moi, mm-hmm. ces valeurs-là, pour ensuite les transmettre. Mmh. Il y a comme vraiment une transmission qui se fait. Mmh. Transition of good, I don't know. Oui, c'est ça. Oui. Of love, I don't know. Mmh. And how did you come to Gestalt therapy? Ah. Mm. L'histoire de ma vie. La grande histoire de ma vie, la Gestalt. J'ai rencontré la Gestalt pour la première fois avec un massage qui s'appelle le Sensitive Gestalt Massage. Oh. Wow. Okay. Et c'est l'équivalent du massage Esalen aux États-Unis. Uh-huh. Uh-huh. Et en fait, c'était une période de ma vie où j'étais dans un chaos absolu, terrible. Uh-huh. Et il m'était très difficile d'être justement en relation. Avec ma famille, avec l'homme, enfin des hommes, avec mes amis, c'était absolument difficile. Et un jour, on m'a parlé d'une femme dans le sud de la France qui faisait un massage très particulier et qui, paraît-il, était merveilleux. Alors, comme je suis curieuse et intense, je suis allée, j'ai pris un train et je suis allée la rencontrer. Et je me suis fait masser par elle. Et je n'avais jamais été touchée de cette manière-là. Jamais. Ça a été vraiment comme une renaissance, comme un premier souffle. Et donc, j'ai reçu beaucoup ce massage. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, ça a été évident que j'apprenne, moi aussi, à le donner. Et donc, je suis rentrée dans une école à Paris qui enseigne toujours ce massage. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré la Gestalt. D'abord par le corps. Mmh. Wow. Par le toucher. Waouh, mmh. Oui. Mmh. Et ensuite, quand j'ai commencé à masser... J'ai senti que ça n'était pas suffisant et que j'avais besoin d'aller plus loin. Et la Gestalt m'avait déjà beaucoup commencé à beaucoup m'impacter. Et donc, j'ai ensuite poursuivi le chemin dans ces études de la Gestalt thérapie. Mm-hmm. Mm. Mais je vraiment... c'est un processus, cette formation, cet apprentissage, un processus très profond de transformation que j'ai vécu à la fois dans mon corps, dans mon psychisme, dans mon émotionnel et surtout dans ma capacité à être en relation. Mm-hmm.
avec l'autre. Uh-huh. And when did that start? I mean, the first meeting with this woman. Wow. Je crois que c'est il y a 15 ans. Okay. And then the school, I mean, like the whole training program started 10 years ago, was it, or when? Oui, un peu plus. Un peu plus, je dirais 12 ans. Oui. And you've been working with clients for how long now? Je dirais à peu près, avec si je compte le massage aussi, je dirais une dizaine d'années. And you still work as a massage? No. C'est très intéressant. Uh-huh. Quand j'étais à Paris, je faisais les deux. Je donnais à la fois des massages et je recevais aussi pour des consultations de gestalt thérapie. Et quand je suis arrivée en Espagne, j'ai vraiment senti un besoin de me poser, parce que mon pas, ma manière de marcher, ma manière de bouger n'était pas la même qu'à Paris. Mm-hmm. Et donc, dans cet ajustement que j'ai dû trouver, je ne pouvais pas masser. Yeah. En revanche, je pouvais vraiment être dans des consultations en face à face. Et puis finalement, justement, pour revenir à la question de qui je suis en tant que personne et être humain, dans ce processus d'évolution, je fais aussi l'expérience de sentir de plus en plus mes limites. Et donc, je n'ai plus envie de masser. Masser ma famille, oui, mais je n'ai plus envie de rentrer trop proche. I can understand from what you are saying. Voilà. Mm-hmm. Oui, j'ai vraiment fait l'expérience d'être en thérapie avec l'autre à une certaine distance et sans toucher, de pouvoir permettre et accompagner un processus de transformation. Mm-hmm. Et c'est pour moi très différent de travailler avec que de travailler sur. I mean, like a great leap. I mean, great step. This transformation you are now describing. I imagine. Oui. Oui, et puis c'est venu aussi d'autant plus fort que je trouve que nous sommes dans une société où la question des limites est très floue entre l'intime et le monde. Et j'ai vraiment senti le besoin dans ma posture de thérapeute, de gestalt thérapeute, d'affirmer beaucoup plus cette limite-là. Je travaille beaucoup avec des personnalités borderline, justement. Et c'est pour moi essentiel de mettre la bonne distance, la bonne limite. Ouais, je ne sais pas où on est parti. No. At least I feel I can, somehow contain as both as an interviewer at least. I don't know if we had like a conversation like
to colleagues or the friends, maybe not, but now I'm I'm in my role. What attracted you the most within Gestalt therapy, within Gestalt theory, maybe practice? Yeah. I suppose this has changed also. Wow. Le self. Mm-hmm. Mon processus, ça a été une grande découverte pour moi, mm-hmm. de comprendre que je pouvais être en mouvement, mm-hmm. et qu'il y avait aussi le monde qui bougeait avec moi et que tout était lié. Et ça peut paraître, j'ai un peu honte de dire ça, mais avant, je ne m'en étais pas rendu compte. Absolument pas rendu compte. Et ça a été une grande, grande révélation. Ce qui m'a beaucoup aussi impacté dans la Gestalt, c'est la manière de sentir, de se sentir, la qualité de présence, la finesse. Je trouve que c'est, enfin, il y a dans la Gestalt quelque chose d'extrêmement fin que je ne trouve absolument nulle part ailleurs. J'ai pratiqué beaucoup le yoga, la méditation. Alors oui, mais il n'y a jamais l'autre en fait dans le yoga, la méditation ou toutes ces pratiques. Et donc ça a été une grande découverte de pouvoir apprendre à me sentir et sentir l'autre en même temps. Ça a été très une révélation, vraiment. Ce qui a été très important, ça a été l'expérience du groupe. Que je n'avais jamais faite. Et donc de rester dans un groupe pendant plusieurs années et d'évoluer moi avec l'autre et tout ce groupe en même temps, ça a été une expérience très très riche. Très riche. Was it also difficult? Oui, c'est très difficile. Mais en tout cas, ça m'a aussi appris qu'il était possible d'être différent, d'être en conflit, de ne pas être d'accord et de rester. Moi, j'avais l'expérience que quand il y avait un conflit ou quand c'était difficile, on part. Bien sûr. Et non, avec le groupe, j'ai vraiment fait cette expérience-là, sécurisante et bienveillante, que non, il y a un conflit, nous ne sommes pas d'accord et nous allons rester ensemble. Comme si c'est très important, c'est expérimenter cette différence ne va pas me faire disparaître. Au contraire.
Au contraire. Voilà, je crois que c'est une des expériences les plus singulières et la plus impactante de ma rencontre avec la Gestalt. What do you think is the future of our approach, of our community in today's world? Je ne sais pas quel sera le futur. En tout cas, ce que je s'il n'y avait pas eu ce confinement, et donc l'ouverture beaucoup plus importante des approches de la Gestalt en ligne, je ne crois pas que nous nous serions rencontrés, Camilla. J'espère que cette expérience de la sanitaire, enfin de cette pandémie, va nous permettre d'ouvrir davantage l'accès à la Gestalt, parce qu'elle est parfois un peu fermée. Je sais que quand j'ai commencé à travailler à Barcelone et avoir des consultations en ligne, je n'ai pas toujours été très bien accueillie par les autres Gestalt thérapeutes autour de moi. Mais comment ça? Tu fais de la Gestalt en ligne? Ah, ok. Alors que moi, je suis convaincue que c'est absolument... C'est différent, bien sûr, mais c'est très puissant. Voilà, donc moi, en tout cas, j'expérimente que, et j'espère que nous allons aller vers ça, la possibilité d'élargir, d'ouvrir et d'aller rencontrer d'autres communautés de Gestalt au-delà de celles que je connais en France et un peu en Espagne, pour aller aussi m'inspirer et continuer d'apprendre. I mean, this is something I guess it will happen. I'm here very optimistic about that. Oui. But what about what do you think with Gestalt, like, you know, in face-to-face, like a face-to-face approach among other approaches which are now more legitimized by the governments and by the health systems? I don't understand your question, Camilla. Huh? I wonder about Gestalt therapy among other approaches, because like in Poland it is difficult to be a therapist with Gestalt background. You are not admitted to many places. And I wonder, okay, how do you think how this may evolve? Or je ne sais pas. Ça me fait penser, il y a quelques mois de ça, je rencontrais quelqu'un lors d'un... Il y avait plusieurs personnes, pas des thérapeutes, hein, des gens. Mais cette personne me demandait quel était mon métier, donc je lui expliquais que je suis Gestalt thérapeute, et il me demandait et quelle méthode utilises-tu? Et je lui ai dit, mais je n'utilise pas de méthode, pas de technique. Et
Et je me suis rendu compte que c'était compliqué pour lui de comprendre, en tout cas pour cette personne. Moi, ici, en Espagne, je n'ai pas de problème pour exercer la Gestalt-thérapie. J'aurais aimé qu'en France, elle soit accessible dans les universités. J'ai plein de choses qui me viennent, en fait, avec cette question. Ah, okay. C'est très... Non, mais c'est bien. En fait, je me rends compte que... quand je parle de la Gestalt avec toi ou avec la communauté de Gestalt, c'est facile. Mais quand j'en parle en dehors, c'est encore... mais qu'est-ce que c'est que ça? Yeah, okay, so I like it. I like when you are like pointing to this aspect of how to, speak about Gestalt therapy in human language. In other words. C'est ça. Oui, comment le vulgariser un peu pour que ça soit compréhensible. Yes. Yeah. Maintenant que nous en parlons, je me rends compte que j'ai parfois du mal à faire comprendre ce que je fais. So it's a good objective, no, for us therapy, oui. The one you are like pointing to. Oui. Yeah. Mm-hmm. Et c'est parfois compliqué aussi, enfin, difficile. Tu sais, il y a toujours cette question, combien de temps dure une thérapie? Est-ce que ça va aller vite? Et moi, ce que j'aime dans la Gestalt, justement, c'est que ça prend du temps. Enfin, moi, j'aime prendre du temps pour aller justement vers cette authenticité dont on parlait tout à l'heure. Pour aller dans cette profondeur, pour apprendre à se sentir et à sentir l'autre et à nous sentir. Et j'aime ce temps long. I'm enjoying this time with you and the space. Oui. Yeah, I don't know. I sometimes just not really creatively, and I somehow I am, you know, I am at the same pace with someone running, so I run. Oui. But yeah, but it's more natural to me to be, yeah, in this kind of space and in this kind of contact. C'est ça. Mm-hmm. De prendre le temps. And I guess this is what we need in this world. No, with you speaking on the one hand about online therapy, oui, may seem fast and impersonal, whatever. But no, online, no. And yet, very profound, very deep, in depth, very, you know, slow in sense of, you know, somehow tolerating the pace of the other, somehow. Oui, c'est quand tu fais ça, je pense à trouver et à sentir son fond. Ça me fait penser... au travail de Ruela Franck, de vraiment sentir ce fond-là. Et si le mouvement est trop rapide, ça n'est pas possible. OK, Yana.
Thank you. I don't know. Thank you, Camilla. Merci beaucoup. Merci. I will stop the recording now. Super. Merci, Camilla.